Ce texte aurait pu figurer sur la quatrième de couverture d'un roman d'espionnage. Pourtant, il s'agit d'un communiqué du ministère des Armées. Il révèle que deux anciens agents des services secrets sont soupçonnés de trahison. Le ministère des Armées confirme que deux de ses anciens personnels et la conjointe de l'un d'entre eux ont été déférés devant le juge d'instruction pour des faits susceptibles de constituer les crimes et délits de trahison par livraison d'informations à une puissance étrangère, provocation au crime de trahison et atteinte au secret de la défense nationale. Leur mise en examen date de décembre 2017. Mais l'affaire n'a été révélée que jeudi soir par l'émission Quotidien. Selon le chroniqueur qui décrypte l'affaire, les agents incriminés auraient été recrutés par les autorités chinoises. En clair, ce sont des agents doubles, recrutés par Pékin. Mais pour l'heure, la ministre des Armées, Florence Parly, refuse de confirmer ou d'infirmer cette dernière information. C'est la Chine qui a bénéficié de leur trahison? Je n'ai pas de révélation à faire dans ce domaine. Mais vous pouvez me dire non ou oui, simplement. Ce n'est pas sur un plateau de télévision que ces choses-là se traitent. Un pays, la Syrie? Encore une fois, c'est un sujet qui est en cours d'instruction et c'est la justice, bien sûr, qui jugera le moment venu ce qu'elle a à communiquer. Rien d'officiel non plus sur le type d'information livrée, ni sur la durée de cette collaboration. Mais selon le journal Le Monde, c'est sur les méthodes de travail du renseignement extérieur français que les deux hommes se seraient exprimés.